loin dans un pays. Je suis le prophète Joël Crasso, le maréchal de la brigade anti-sorcier. Nous sommes à cette date de mardi 15. Nous sommes aujourd'hui mardi 15 juillet 2014. Voilà, il est pratiquement 6 heures à ma montre. Nous sommes dans une famille cette nuit, vers 4 heures avant de commencer ma prière, parce que moi je me réveille vers 3 heures. Avant de commencer ma prière vers 3 heures, j'ai une vision sur cette famille, où j'ai vu que la jeune fille vient. Elle est passée aux aveux au centre de prière. Une aide, vous avez sa robe dans 3 à 4 jours, je crois. 3 jours, c'est 3 jours. Elle a fait des aveux. Où elle était une véritable sorcière, tout ça. Mais après, pendant la délivrance, les esprits sont venus. Un esprit est venu ici. J'ai promis de passer prier. Mais en même temps, comme je traînais, j'ai vu que l'esprit a capturé une personne dans cette maison. Donc depuis 5 heures du matin, après ma prière, j'ai appelé là-dedans la mère de la maison, au lieu que je venais. Et donc, dans les conversations, en chemin, parce qu'elle était venue, elle est venue nous chercher juste un carrefour. Elle nous a fait entendre qu'il y a eu le bruit, il y a un bruit, tu as entendu le bruit. Vous avez entendu le bruit. C'est comment ça fait le bruit? Bon, le bruit était fort, mais il est descendu comme si... Il y avait comme si il y avait un atterrissage même sur le toit. Après, vous en avez quelle heure? Entre minuit et une heure du matin. Entre minuit et une heure du matin. Voilà. Donc, les esprits sont venus et il fallait forcément capturer une personne. Donc, elle, ils ont pris son âme, ils sont partis avec. C'est cela que nous sommes là pour une intervention. Voilà, pour donner que les choses rentrent en ligne de compte. Voilà, parce que dans notre ministère, le suivi, quand vous passez au niveau du centre de prière, il y a un suivi. Et nous sommes là pour juste un temps d'intervention. Voilà. Tu avais gagné? Hein? On devait tuer. En France, et puis j'ai touché, c'est là que j'ai. Tu devais aller en France, c'est ça? Mm-hmm. Et tu vas à l'enfant, ça dit qu'elle a gardé son dossier. Comment s'est passé? Je me suis changé à lui. Mm-hmm. Et puis je suis arrivé à l'homme, je suis changé à l'homme. Mm-hmm. Et on m'a pas vu. Et puis j'ai enlevé le papier, j'ai laissé les photocopies. Et quand elle est partie, elle me dit qu'il n'y a que sur les photocopies qui sont là. Puis elle a retenu. Donc, tu peux expliquer un peu ton voyage? Bon, mon voisin, la personne, mais je ne connaissais pas la personne. C'est ma fille, ma première fille, je lui ai dit de gérer la cabine. Elle était assise à la cabine. Puis le monsieur a vu qu'elle était trop petite pour gérer la cabine. Il a demandé si elle ne partait pas à l'école. Elle a dit si je vais à l'école, mais c'est maman qui paye mes coûts. C'est cet argent qu'on paye mes coûts. Donc il a cherché à me croiser. Quand il m'a vu, il m'a dit qu'il allait m'aider. Donc, il m'a amené en Europe. J'allais continuer mes études. Là, deux ans après, elle est venue prendre ma fille. Pour m'amener là-bas. Donc, j'avais des esprits qui se souvenaient à mon pas. Et puis, bon, quand le jour du voyage est arrivé, j'étais partie en novembre, juste avant la crise. Mais c'est moi-même qui ai réussi, j'ai dit, je ne vais plus. Là, mais pourquoi il dit non, que je ne peux pas partir pour laisser mon enfant ici. Maintenant, bon, il s'est énervé. Il a dit, ah, que toi, tu n'es pas ambitieuse. Hein. Qu'il y a des filles même qui cherchent à aller dans cette pensée. Et puis, tu as pu refuser. Non, moi, je ne peux pas partir. Et puis, il s'est énervé, il est parti. Quand il est parti, la chaîne son milieu, tout. Ben, il se disait que moi-même, je ne vais même pas réussir de ma vie. Maintenant, quand il est parti, il a commencé à regretter, je lui ai expliqué à maman. Sa maman a dit, si je lui avais expliqué, tout ça n'est pas réussi. C'est comme ça que c'est passé. Donc, tu as fermé ça. Mm-hmm. Maintenant, tu l'as livré, c'est ça? Tu n'étais pas là la dernière fois? Où? La prière, la dernière balle. Non, parce que moi, j'étais déjà venu. Moi, j'étais déjà venu. Puis... Appelle-moi ton petit frère. Il passe la chérie pour
Et puis il prend ses cheveux pour manger, et puis lui, toi, tu deviens intelligente. Et puis lui, c'est fini. Tu es nul à l'école. Avant, il était bien fort à l'école, mais maintenant. Avant, tu étais bien fort. Mais maintenant. Mais à ton âge, on a l'impression qu'il était chaud, c'est ça? Mmh. Ici, la reste, tes cheveux sont ici. Mmh. C'est quand tu as pris ça, mais ça fait. Mmh, c'est comme bien un chaud. C'est comme tu disais, parce qu'on est avec beaucoup de façons. Tu manges ça? Oui. Tu fais comment? La nuit, la nuit. Comme Garba, tu manges. Oui. Et toi, comment ça se passe? Elle dit, comment ça se passe? Tes cheveux? Quand j'étais hier, il y a un conjoint, il y avait un petit coin là-bas. Donc mes amis m'ont dit qu'il y a tes cheveux, il n'y a pas de cheveux. Qui t'a coiffé? Mon amour, écoute, qui sont les gens, mes amis qui m'ont coiffé, elle a mes tuteurs. Et puis, ils ont, elle et ses enfants qui m'ont coiffé avec l'homme là. Mais il dit, je lui ai dit, non, qu'ils ne m'ont pas fait ça. Donc, j'ai appelé maman pour dire à maman, il y a quelqu'un qui a coiffé derrière ma tête avec l'homme. Non, c'est elle a commencé à prier de même, même si elle a prié. Maintenant, un peu, mais juste quand elle a commencé à s'élargir. Et puis, ici, venu à Dibou, il s'est dit, ah, mon gars, ça commence à s'élargir. Et puis maintenant la vie elle est étonnée. Oh, il n'y avait pas ça, il était paradis. Maintenant ici, le milieu est soin. Maintenant l'enfant, après tant de s'élargir, mais ça pue tout maintenant. Il a pris les autres coins. Maintenant l'enfant a dit qu'il se montait qu'il mange ma tête, il mange les cheveux. Maintenant, après maintenant, elle a dit qu'elle n'est pas comme ça. Tant que ça, il se soin après maintenant. Elle est partie là, mais puis. Ça fait combien d'années? Ça fait un an, quelques mois. Qui s'est venu comme ça? Mmh. Sinon, ça a été rapide. Mmh. Avant, c'était venu un petit, un peu. C'est petit, mais c'était un doigt seulement. Un doigt. Maintenant, puis c'est parti vite, vite. Et toi? Et vu qu'il ne me voit pas les cheveux. Hein. Tu ne les vois pas? Il ne voit pas les cheveux. Là. Là-bas, il n'y a pas les cheveux. Tu ne vois pas les cheveux? Il ne voit pas ça, mais ça. Hein. Vous avez un frère, on dit n'aime pas garçon, une femme. Mmh, il a bien. Le fil, le fil. C'est lui là qui le suit. Hein, sa femme. Voilà. Mmh. Hein? Il sortait à lui. Mmh. Il fait comment? C'est toi qui te montre, il fait comment? Mais ça, coucher avec mes amis, tu vas te coucher près de lui. Tu fais comment? Je vais coucher et à côté de lui. Un esprit. Tu cherches lui un esprit. La nuit, il ne pense plus aux femmes. Là, il y a l'aise, tu ne veux pas. Venez, on va prier. On va appeler ton nom. Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit? La nuit, ils sont venus me fatiguer encore. Ils ont pris ton démarque, ils t'ont fatigué. Comme tu as mis l'huile, tu es plus parti, c'est ça? Mm-hmm. Mais ils ont pris ta soeur, c'est ça? Mm-hmm. Il y a une acte. Prophétie dans cette maison. Et je rentre en contact. Je ordonne maintenant aux esprits maléfiques de lâcher cette maison dans le nom de Jésus. Et dans les coins et les recoins de cette maison, je reprends le sang de l'agneau. Je mets ton genou. Ton genou. Go. Et toute programmation faite. Cite sa vie au nom de Jésus-Christ, que son âme soit restituée par la puissance qui est dans le nom de l'agneau. Je commande aux esprits de lâcher son âme qui a été capturée. Je donne à l'âme, je donne que son âme soit libérée. Tiens-lui la trappe, je libère son âme. À la puissance qui est dans le sang de l'agneau.
je proclame la seigneurie et la victoire de Christ et sa vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, merci notre Dieu et que ton règne vienne au nom de Jésus-Christ. Le décret est annulé par la puissance qui est dans le nom de Jésus-Christ. Merci pour ta main forte et puissante que tu étends sur cette maison. Merci de la garder dans le cœur de ton nom. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Venez. Merci de venir, Jésus, puisque tu es mon amour. J'ordonne toute la décision, j'ordonne pour moi, Satan, de lâcher tout ce que j'ordonne. Que tout ce qui devait arriver n'arrive plus. Je commande aux démons de partir et de lâcher prise cette maison. Je communique en ton nom les grâces et les bénédictions. J'ouvre les portes de la bénédiction cette maison. J'ouvre les portes de la grâce. Seigneur, merci de te manifester et d'agir pleinement au nom de Jésus. Que je prie. Amen. Amen.